Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Merci à Baris Bay pour ton follow. Bienvenue à toi. T'as vu ça? Un follow direct, pouf. Tu follow et le live se lance. C'est fou. C'est incroyable. Rien que pour toi. 15%. Il court. Battre. Je peux simplement courir au marché. Alors, je dois aller vers mon destin. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Ouais, le gaillard avant et le cabestan. Le cacatois. On a à nouveau lui à tuer. On peut réessayer. Allons réessayer. Unier, perroquet, cacatoi. Salut Alexandre. Ah, le convoi, c'est pas le convoi que je dois attaquer. Le voilà. On va pas le lâcher. Je touche pas. Je touche presque. Il va aussi vite que moi en fait. Sur tribord, capitaine, on dirait qu'il y a un survivant. Oui, je peux pas. Je dois pas lâcher mes cibles. On va essayer de s'approcher de ce gars-là. C'est quoi, c'est des mines? C'est des mines. Ouais, à mon signal. Putain. Attention, Grain, serrez un peu. Ton point faible, c'est là qu'il faut tirer. Il convoile vers l'enfer. Merlez toute la toile. Voilà eu. Yes. On va essayer de s'atterrir maintenant. Carguez vous autres. Verlez la main dessus. Plongez. Capitaine, par-dessus bord. Mais non, ça va. Tout va bien, tout va bien. J'ai upgradé mon navire un petit peu. Salut, mais vous êtes qui vous? Même pas où je suis. On peut tuer tout le monde. C'est quoi la carte? Il y a un point en synchro.
On passe pas, si on passe. C'est quoi la petite clochette là? Ah, c'est cool, je peux saboter la clochette. Je sais pas du tout à quoi ça sert hein, pour l'instant. J'ai pas de mission là-dedans, mais je me balade quand même dedans. Je vais essayer d'aller au point d'observation. Je tire des gens ou pas? C'est pas grave, on se balade, il y a des points bleus un peu partout. Qu'est-ce que c'est? J'ai surtout envie d'aller voir le point d'observation. Ah, il est là-haut le point d'observation. Wow. Dépêche-toi. Monte. Et voilà, j'ai synchronisé, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, moi j'ai la map, et puis après je vais m'enfuir. Il y aura une mission ici sans doute. Américain. C'est quel Assassin's Creed où ça se passe en Chine? Oh, il y a un Assassin's Creed qui se passe en Chine, je sais même pas. On aura la possibilité d'en faire plein. Parce que j'en ai un paquet, il me manque Odyssée. Ah là. Stella Maya. Il s'est saboté. J'arrive jamais à les tuer ces mecs-là. Ah oui. Je sors les armes. Ouch. Oui. Je plonge. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais. Oui. Je plonge dans l'eau. M'avoir. Oh, ah bah donc, j'ai eu chaud. Salut Attila, ah, c'est Chronicle.
Et j'ai pas non plus. C'est d'aller à la Stelmaya. Elle est pas là. 40 mètres. Là. Interagir avec bas. Alors il faut que j'aligne la forme des trois trucs. Ah. Attends, il y a un gros, un petit, un moyen. Et que je creuse ici. J'avoue que j'aime bien aussi, mais il faudra qu'on fasse. Une autre pierre. Tiens. Et maintenant, je pense que je peux rejoindre mon bateau. Faut que j'aille au nord par là. Je vous avoue que autre salle, autre ambiance, j'ai j'ai acheté les Sims 4. J'ai acheté les Sims 4 qui étaient vraiment pas cher. Et j'en ai profité pour prendre une ou deux extensions avec. C'est à force de voir les filles jouer aux Sims 3 que ça m'a redonné envie de m'y remettre. Allez, regagner le navire. Le dernier a 8 fins différentes. Ah oui, quand même. J'ai l'impression que... Je suis encore à quai. Est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'il peut me casser dessus? Parce qu'il a l'air de m'attendre. Il me tourne autour. Mais je suis encore à quai techniquement. Feu! Plus vite que ça, bon feu! Paré à faire un tir biologique et entraîner la patte! Feu! Prêt à faire feu! Attention là-bas! Non. Je vais lui fermer la grand voile! On a du temps et du bon bois pour soigner ça! Attention, Edouard! Pousse-toi, canaille! Reste hors de portée de ces canons! Quand on est vulnérable à cet endroit! Faites les emportes! Un navire approche pièce en place! Régate! Des Espagnols! Un navire isolé, capitaine! Oui, on n'a pas le temps. Je pense qu'on les a semés. Oui, bah là vaut mieux. Sur tribord! Un homme à la mer! Du matos par là. Ouais, c'est un bateau qui était en protection de l'assassinat, c'est pour ça. Attention, capitaine,
Nos ennemis patrouillent ces eaux. Ouais, ouais. On va devoir choper un... On va devoir choper un autre bateau pour pouvoir se réparer. Un schooner par exemple. Bah oui, c'est ça. On a quand même réussi l'assassinat. Hein. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, quoi. Hein. Capitaine, si on touche là, il ira pas. Il coule. On est paré, capitaine. Ah, il coule, il. Il est coulé. Il y a que, il y a rien à récupérer là-dedans. Là. Ici. Du sucre. Il y a de l'or là. On va aller récupérer le coffre. Hein. On voit. Ouais, mais non. Non, on va pas s'enrichir. Le capitaine à la baille. Alors, mode découverte, faut 60 heures pour le faire. Ouais, moi j'estime que je vais mettre entre 60 et 75 heures. Parce que c'est la première fois que je joue et puis que je suis un joueur relativement lent. Un schooner. Et que je traîne et que je fais n'importe quoi. Le capitaine est à la barre. Donnez de la toile, prenons un peu de vent. Ah non, c'est un convoi. Ouais, je suis pas équipé pour un convoi là. Toute la toile, plus vite que ça. Il me faut un schooner seul, il me faut pas. Sur la prochaine mission. Ah ouais, quand même. Alors, encore un autre coffre là, du poisson là, et là c'est canne et canaille. Ah oui, on va attaquer un truc de canne à sucre. Il te dit quoi pour attaquer du convoi? Ça, bon, on va s'enrichir. Gain d'argent élevé, hein, mais moi je sens que je suis pas assez balèze pour pouvoir gérer du convoi, quoi. On va passer par le sud. Un bulldog par là. Je vois pas trop ce que c'est. Ils sont un peu loin. Il y a du matos là. Sur tribord, capitaine. Me vois du butin à la dérive, capitaine. C'est là qu'il faut tirer. Un navire à prêt à faire feu.
Cool, deuxième. Capitaine, un coup bien placé, à cet endroit. Boum. Sur ton ordre, capitaine. Ça va assez vite. Allez, on va aborder le premier. Ça devrait être suffisant pour pouvoir... Merde. On peut vite aborder. Alors on aborde, et avec l'abordage, on va faire baisser le truc de recherche. Je perds un équipage. Ne laissez pas aborder. Ça va, c'est facile, un travail pour tout cas. J'aime bien faire le touriste. Rejoignez-nous. J'ai besoin de bons marins. Et voilà, on est plus recherché. Donnez-moi de la vitesse. Là-haut et là-haut. Serré. Carguez à misaine. Remuez-vous. Larguez la grand voile. Allez, d'une heure. On va récupérer le bonhomme. Larguez toute la toile. Donnez toute la toile et tendez. Là. Voilà. Serrez tout, sauf la grand voile. Allez, carguez. Toute la toile au vent, lâchez tout. Ouais, lâche tout. Réglez ces voiles. Carguez les cacatois et les huniers. Carguez, j'ai dit. Carguez la misaine, vite. Toute la toile, la main dessus. Mais rien, hein. Carguez, serrez ces voiles, vite. Le capitaine vous est là-bas. Vous auriez mieux fait de vous rendre. Vous seriez mieux fait de vous rendre. Bon alors, je peux là ou pas? Ah, il m'en faudra des chasseurs de pirates, sans doute. Il faudra, hein, il m'en faudra. T'inquiète pas, je serai bien assez célèbre assez tôt. Bon, je l'ai loupé. Et là, sur ce coup-là, je répare. Je récupère ce qui traîne là. Il y a moyen de passer des centaines d'heures. À bâbord, capitaine. Je vois du butin à la dérive, capitaine. Oui, enfin, pas beaucoup, hein. Ou cette mission là. Ferrez les bannettes. Affalez la brigantine. Chut dessus, bonhomme. Mettez en panne. Ferrez la grand voile. Arrisez les perroquets. Et comment je fais? Je vais à l'eau. Arrêtez de chanter. À la mer.
Oui, avec les... Il y a des trucs en plus. Je suis sur Ariable. Alors, ce serait bien d'avoir du point d'observation. Déjà, il y en a un là. On peut le choper. Donc, j'avance dans le scénario principal. Hein. Après, entre nous, on a le temps. Hein. On a le temps. Tant qu'on avance un peu dans le scénar, et qu'on s'emmerde pas, qu'il y a des choses à faire, c'est pas grave si j'y passe 120 heures au lieu de 70. Le jour a été largement... compenser du sou qu'il a coûté. 5 euros. Il m'a coûté 5 euros. Ça va, 5 euros là. Un coffre. Ah, c'est l'un des meilleurs en fait. Si c'est pas le meilleur à ton avis, tu l'as déjà fait 3-4 fois. Rentabiliser, voilà, je cherchais le mot. Ah oui, il y a un truc de coffre au trésor. Vous l'avez laissé tout seul là, regardez. Une bouteille. L'ambiance est très bonne. Et il avait été gratuitement, je lui ai à 5 euros. Alors, laissez-moi regarder cette petite carte. On peut payer pour baisser. On a un contrat. C'est bien HM, gagner de l'argent. Ça, tu veux jouer? Ouh, quoi seul? Alors, qu'est-ce que t'as sur toi? 13, 9, 9. Récolter tout ce qu'il y a sur l'île avant de faire les contrats. Surtout le contrat m'emmène ailleurs. Ah oui, mais bon là je vais faire la mission. T'as peur? Recruter de l'équipage, non j'en ai pas forcément besoin. Là il y a du jeu. On peut accepter le contrat et le faire plus tard. Alors, l'expédition espagnole recherche sur cette île un artefact perdu. Eh ben ça va pas m'emmener bien loin apparemment. Exactement. Moi je suis là. Il faut que j'aille là.
Merci pour le holographe. Ah, mais je l'ai déjà faite, cette île. C'est l'île du départ. C'est pas un déplacement rapide, ça? Si, je suis à un déplacement rapide ici. Ah, c'est fun. On fera après la mission. L'assassinat est une activité annexe, de toute façon. L'équipage, je t'en recrute automatiquement un peu à chaque abordage. Oui, oui, je m'embête pas trop à dépenser des sous là-dedans, je sais que... L'ambiance est bonne, en tout cas. Ça, c'est bien, ça va, c'est vivant, quoi. Regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. J'ai fait l'assassinat qui me manquait. Gamin, mais déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles. D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Non, désolé, je me suis fait ça en tuant des poissons. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Ok, dans cette zone-là. C'est quoi ces deux coffres qui se trouvent juste là, là? L'un à côté de l'autre. J'entends les petits bruits des coffres. Je suis dessus. De l'argent. J'aime l'argent. Je l'avais presque. Il est où? Le là. Il faut que je le suive. Pas trop loin, pas trop près, 30 mètres, c'est bien. De toute façon, on le dépense l'argent, donc. Ah, c'était pas moi. Bon, on sait qu'il va dans la zone rouge. Nous en avons fini ici. Hi, sir. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks.
La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un fort civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il est parti où avec son bateau là ? Putain, il est parti loin. Il faut que je le suive en bateau. Ah oui, donc elle est morte la mission. Il s'est cassé en bateau. Kenouille. Je suis toujours si bourrin. Je dois pas jouer à Assassin's Creed. Je dois jouer à Bourrin's Creed. Et de la toile, les garçons, on rentre chez nous. Donc là, du coup, il prend le. Et maintenant, je dois. Moi je suis où? Je dois rejoindre mon bateau à moi. En fait, et le plus rapide c'est d'y aller en courant par là. Ah, ah là. Oh putain. Allez vous faire foutre. Captain, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. Déjà vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. Plein de trucs. On les revendra à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, un visionnaire. Ton idée me plaît. C'est derrière. Pour l'instant, tout va bien. À tribord, les morceaux d'épave. C'est bien. On y va du butin. Zone interdite, zone interdite. Alors, si je rentre dans leur champ de vision est en jaune. Restez à l'écart pour éviter un conflit. Ok. Pour rester discret. Réduisez la toile. Attends, Adé, j'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. Accélère, 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 accélère. Là-haut, déferlez, à vos voiles. Franchement, je joue qu'à la minimap là en ce moment, je vous avoue que. Oui, il tourne, il tourne. Tout va bien, capitaine. Il m'a pas vu. Capitaine, je vois un survivant à la dérive, capitaine. Là, il va me voir. Un bon. Navire de guerre ennemi approche. Un cutter. Cette foutue Royal bon, Navy. Capitaine. Il a l'air d'être tout seul. Là, tu vas me courir après, hein, parce que. Ouais, je sais, je sais. Il a bien accéléré. À bâbord, capitaine! Il y a une belle cargaison ici, capitaine! Ah là là, je fais que ça! Tom travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre? Aïe! Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les maudire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau ou autre chose? Le jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. Et c'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher.
C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Bon, le caramel. Une tempête là-bas, capitaine! Je crois qu'on est arrivé. C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le jackdaw. Capitaine? Le capitaine se sale la couenne! Tiens, on y est. Sabotez les cloches d'alerte, ne prenez pas part au combat. Qu'est-ce qu'il faut que je passe? Attends. 30 secondes pour y aller déjà, faut se dépêcher. Désordre. Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Et vous en profitez pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur, tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Oh mince, encore. T'as plus rien à écouter, là. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur, je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. Ne pas participer au combat? Je m'en fous, je suis bourriné, de toute façon. Comme d'hab. Je crois que j'ai déjà été vu, en fait. J'aimerais pas... Ça y est. J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Participer au combat, c'est déjà fait. Ça y est, il m'a vu. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? La clé par tous les diables. Que quelqu'un porte cette clé. Qui a la clé? Don't leave. Y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez me chercher la clé d'entrepôt. Ah oui, c'est vrai ça, la clé, elle est où? De récupérer un peu de thunes. Alors, qui a la clé? Qui a la clé? Qui a la clé? Au Mirador. Oui, il y a un mec là-haut. Il faudrait que je joue des fléchettes. C'est que je fasse des fléchettes avec les os, en fait. Là.
Voilà, parti pour combat, c'est mort. Il a considéré. Oh, y a un mec. Spade avec la clé déjà. À un moment donné, regarde ailleurs. I'll relieve him of more of his burden. Come back here and face us like a man. Hey, come back. Are you furious? You might have stopped here. J'adore l'IA. Vraiment, l'IA est top. Il faudrait que je tue le mec là-haut, non? S'il va me voir fouiller, en fait. C'est ça que je suis. Maintenant. Non. Fouille. J'ai la clé. Alors, c'est où? En fait, ça va aucun avoir le temps de sonner la cloche. Jusque là, tout va bien. L'entrepôt, il est là. J'aimerais bien le tuer, lui, en fait. Peur de ça. Non. Le mec qui se fait voir parce qu'il tourne autour de l'échelle comme un débile. Ah. Si, je m'occupe des cloches, mais j'étais visible. J'étais pour m'occuper de la cloche là, j'étais visible par le. Maintenant là. Je crois qu'il y a une sur deux. Elle est où la deuxième cloche? Attends, il y a un point là, ce serait bien de le faire. C'est optionnel hein, le point, mais franchement il m'intéresse. Je me demande si j'ai pas tout. Il y a un coffre en plus. Allez, on grimpe. Hop. C'est bien. Un petit point de synchro en plus là, c'est toujours cette prise, c'est cool. Hop. Ah voilà, c'est cool. Il y a un singe hurleur ici. Histoire de faire le chasseur un peu, quelques coffres. Cloche, je ne les vois pas. Oh, regarde là. Encore une autre stèle Maya qui est juste à côté du bateau. On l'a pas vu.
s'en fait des thunes. On pourrait essayer le champ. Alors, le problème des champs, c'est qu'il faut leur courir après, c'est drôlement dur. J'aimerais bien qu'ils me chantent un peu autre chose. Ah, je sais. Je sais bien. Mais il faut leur courir après. Je dois me débarrasser des gardes. Je le vois. Alors, il y en a un autre par là. Ça s'en va loin. Ça s'en va par là. Et c'est parti, je sais pas où. Super dur à récupérer en fait. Il faut vraiment être dans le bon truc parce qu'elle est revenue à son emplacement. Non, pas tout de suite en plus. Elle revient pas immédiatement. Ah, de le refaire en sens inverse. Ah oui, d'accord. Comme ça, il te saute dessus. Au lieu que tu le cours après, tu le chopes. Il faut que tu remontes par là. D'accord, je comprends. Non. C'est par là, puis par là, et voilà, il était là. Mais le truc, c'est qu'il faut attendre qu'il revienne. Le blas. Ah, il est parti dans un autre sens, ce bâtard. Ah bah donc Cat Island. Ah c'est cool, je suis content. Bon, si on allait récupérer la petite note machin là, parce que c'est bien beau, mais on a fait pas mal de choses. Hein. Il reste encore quelques coffres. Hein. Autant finir, non? Quasiment plus grand monde en termes de soldats déjà. Il y a du monde là. Il est où le coffre? Dessous. Je l'entends. Mais non, y a rien. Il va être dur à récupérer ce coffre-là. Je sais pas où il est. Je sais pas s'il est à l'intérieur. C'est dur à dire des fois. Non, c'est pas à l'intérieur.
Il est forcément par là. C'est le grand tour, vraiment. Alors voilà. Ça va déjà bien m'aider quand je t'aurai éliminé toi. Ah, je le vois, il est là. Ça va aller. On va s'occuper de lui maintenant. J'adore le le coffre est juste là quoi. Alors il serait pas là sur le toit à l'étage. Les coffres des fois c'est... Ah il est là en bas. Des fois c'est un peu compliqué hein. Tout ça pour 200. Ça donne juste envie de tuer tout le monde. Alors, prochain coffre, on a dit, il y en a un là, et puis après, on va commencer à aller à... Coincé. Alors, on va devoir sortir un bois. C'est bien. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais le fouiller. Corps reste. Ça marche bien, mais on finit toujours par faire demi-tour. Voilà. Bon. Alors, il est où mon coffre maintenant? Il faut des sous, il faut de l'argent, de toute façon l'argent c'est le nerf de la guerre. Il faut de l'argent, deux coffres là encore. J'adore ça. J'entends du bruit. Deux coffres. Ici.
très beau. Il avait un beau chapeau d'amiral. Ah, la deuxième cloche est là. C'est bizarre. Il n'y a vraiment plus personne. Je vais éliminer tout le monde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais fouiller. Par exemple, le plus simple, c'est de piller le navire et de vendre le rhum et le sucre. Oui, c'est sûr. Le coffre, les coffres, c'est un petit plus, mais. Duff, I want to talk to you. Il n'y a vraiment plus personne. Je crois que j'ai tué tout le monde. Alors c'est quoi ça? C'est un fragment. Il y a un fragment dans le ciel, dans l'espace. Je l'entends. Oh là là, comment je le chope lui? Pas la moindre cloche, 400. Excellent. Ah, ne prenez pas peur au combat. C'est que simplement j'ai pas eu d'alarme en fait. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu de combat parce que j'ai pas déclenché l'alarme. Top. C'est excellent, je suis très content. Et ça paye en plus. C'est cool. Donc, c'est quoi ça? C'est ces machins-là, là? Entrepôt vide. Cargaison pour amélioration ou vente. Ce qui veut dire que je peux aller piller ces entrepôts-là? Si j'en trouve d'autres? C'est top mammouth, ce genre de choses. Regarde ça. À collecter, activité annexe, faune. Non, je suis même pas sûr que ça corresponde à ça. Quand tu tues quelqu'un du premier coup assassinat, c'est pas compté comme un combat. Ouais, mais là j'ai eu un combat quand même. J'ai shooté trois mecs alors, avec un combat. Où est-ce que je suis? J'ai du mal à me retrouver des fois centré. Voilà. On va aller à la Stelmaya. J'ai tué tout le monde. Vous êtes libre, messieurs, dames. Vous pouvez vous barrer. Et là, c'était avant d'avoir la clé. Voilà le truc. Attends, comment il veut que je... Un gros caillou. Pour moi, ça, c'est comme... Ça. Ouais, je vais me tuer, moi je vais me faire mal. C'est-à-dire que
c'était là sous un caillou, quoi. Une pierre de plus. Très bien. Eh bien, je vous propose d'arrêter ici. J'ai un code de triche. Je vous propose d'arrêter ici. J'ai un singe pour l'armure, pour la tenue. Bon, j'arrête là de toute façon. Je vous souhaite une bonne nuit. Nous reprendrons ça demain. Et puis bah là, on a bien nettoyé l'île, j'avoue que c'était plutôt sympa. À demain pour de nouvelles aventures. Et puis, passez une bonne journée de demain. Bye bye tout le monde.